qui est quand même assez impressionnant à chaque fois, Monsieur Carignon, c'est que vous répétez toujours la même chose. C'est-à-dire que depuis un an et demi qu'on est dans cette assemblée, à chaque fois qu'on parle de Flaubert, à chaque fois que le mot est émis, vous posez toujours les mêmes questions. Donc il y a un moment donné, ça devient un peu compliqué, on ne sait pas trop comment vous répondre, parce qu'on se dit, on va lui dire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous avez repris votre intervention que vous avez dit vendredi en conseil métropolitain, presque mot pour mot. On vous a répondu en partie. Là, on pourrait encore vous répondre, mais quand même, je tiens à pointer ça, parce que ça devient risible. Quand vous parlez des parcs, on va devoir vous le dire combien de fois qu'il y a 5 hectares de parcs. Je sais pas comment vous le dire. Donc à un moment donné, vous cherchez à faire votre communication, peut-être vos vidéos ou je ne sais quoi. Mais nous, en tout cas, on pose les faits à chaque fois. Là, excusez-moi, je ne vais pas en remettre une couche. Vous n'avez qu'à regarder les anciens conseils municipaux, on vous en parlait. Vous n'avez qu'à regarder le conseil métropolitain de vendredi, vous étiez là, vous avez très bien entendu, comme tout le monde. Concernant le bar radis pour les mètres carrés, c'est dans le bail, page 5. Je vous invite à la lire et éventuellement à poser ces questions en commission aussi. Parce que c'est pareil. Il y a des questions qui peuvent être posées en commission, et sur ce type de délibération, on a rarement des questions, faut je le dire aussi.